Yo les gars, nouvelle vidéo sur Clash Royale. Donc alors aujourd'hui on est parti pour une vidéo très spéciale. J'en ferai plein d'autres des comme ça. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer. Moi, avec ma mère, elle est graphiste. On a fait des cartes Clash Royale avec chacune l'image avec l'élixir et le nom. Et donc du coup là, ce que je vais faire, c'est que je vais piocher 8 cartes au hasard. Et ce sera mon deck. Et je vais devoir faire une game avec. Donc là, j'ai déjà testé avant pour voir si ça marchait bien. Donc oui. Oui, j'ai testé avant. Donc alors, je vais mélanger. J'ai fait en deux tas parce qu'il y a beaucoup trop de cartes. 106 cartes, c'est beaucoup trop. Alors, nous aurons la Tesla. Je vais la mettre après. La sorcière de la nuit. La méga gargouille et le ballon. Ensuite, ça c'est pour les 4 premières du premier tas. Ensuite, nous aurons la tornade que j'ai débloquée hier. L'électro-esprit. Le mini PK. Et l'artificier. Donc alors. On a dit. Attendez, juste deux secondes. Donc voilà. Il reste encore la rage que j'ai pas enlevée parce que bah, je l'ai pas encore trouvée quand je faisais mes essais de cartes. Et je voyais aussi le chevalier d'or, je crois que j'ai pas encore enlevé. Et il me semble que c'est tout. Les autres, j'ai tous enlevé dans ceux que j'ai pas. Donc alors, on a dit. Je les range par élixir, c'est plus simple à les trouver quand je fais ça. Alors, on a dit mini PK, il me semble. Tornade. La tornade, c'est la première fois que je la mets dans mon deck. Artificière. Avec. Artificière. Méga gargouille. Méga gargouille, artificière, mini PK. Là, électro-esprit. Tornade, c'est bon. Il manque le ballon. Sorcière de la nuit. Et la Tesla. La sorcière de la nuit, hop, Tesla, et bah, voilà. Attends. Donc là, on peut l'améliorer, sinon. Voilà. Donc alors, on va en fiesta, et bien sûr, quand même, c'est pas abusé. Donc on continue. Donc alors on lui souhaite bonne chance. Voilà. Donc alors. Il met 3 squelettes. D'accord. Lui il fait quelque chose d'autre. Non. Alors, bah vas-y, je t'attends. Un chevalier. Ok. Bon, d'accord. On met un truc. Ouais, non, très mauvaise idée de mettre l'artificiel. On va mettre le mec à carcouille. Putain, on va mettre le ballon juste arrière. Oh oui. Oh, j'ai bien fait de mettre. Voilà, comme ça il est trop cute. Hop.
Mince. Pourquoi j'ai fait ça? J'avais pas vu ça allait prendre le... Mince. Je crois que c'est un putain de merde là. Oh non, j'ai fait n'importe quoi. Dommage. C'est moi qui ai mal joué. J'aurais pu gagner. Il était pas si mal le deck. Enfin. Il y a beaucoup mieux, mais. Il était beaucoup à rien, on va dire. Et lui, il avait. Il avait quand même pas mal d'antiaériens. Ouais. Il avait pas mal d'aériens. Il avait 1, 2, 3. Ouais, non, 3. C'est pas beaucoup. En vrai. Hop, on supprime tout. Tac. On supprime. Donc, alors, on va en rechercher déjà. On mélange. On prend la première. Le feu à squelette. La deuxième. Après, je les prends en aléatoire dans le tas. Pas forcément la première, la deuxième, la troisième. L'esprit de feu. La troisième, golem de glace. Golem de glace. Et la quatrième, bombardier. Ensuite, on aura le canon. Avec l'arc X. Gobelin, sarbacane. Et PK. Ça marche. Alors, déjà l'esprit de feu. Bombardier. Attends, on avait bon, la gobelin sarbacane, tu as squelette, on avait quoi d'autre? Ouais, PK, là, bombardier, ah, golem de glace, il manque le canon, et après on va pouvoir monter en haut, canon, bam, ensuite, là, et le bêta. Donc c'est parti. On retourne en combat. C'est parti. On vous souhaite bonne chance. Et on va balancer un fiasco. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Non. Bon. Ah, bon, en fait, il n'y avait pas besoin. Ok. Non, pas là, parce que... Voilà. On lui défonce son artiste. Un peu là. Et on va mettre... On va mettre le choc de blanc, puis l'artix. Golem de glace.
Attention, on démonte la tour. Oui. On démonte la tour. C'est bon, j'ai gagné. Là. Ouais, tu mets de côté. Voilà, c'est gagné. Bon, vous voyez, il y a des decks qui sont quand même pas mal. Après le canon, il sert juste à pour changer l'ennemi, mais puis en vrai, il est nul le canon. Donc voilà. Donc on va rechanger. On mélange. Alors, nous aurons l'orbe de gargouille avec le séisme, le bombardier de nouveau et la bûche. Ensuite, nous aurons le miroir, le prince ténébreux, chevaucheur de cochon et le bûcheron. On a la bûche et le bûcheron. Hop, on supprime tout sauf le bombardier, voilà. Là, on met la bûche, le miroir. Donc le miroir, c'est fait, la bûche, c'est fait, ça, c'est fait. Ensuite, on aura le séisme à 3, élixir. Là, ensuite, à 4 élixirs, le prince ténébreux, chevaucheur de cochon. Et bûcheron, il ou mon bûcheron. Bûcheron. Et l'orbe de gargouille à 5. En vrai, ça va. Il n'y a pas un trop. Ouais, non, c'est un des trop points 2. Ça va. Ça va encore. C'est bien. Sinon, plus, c'est un peu mauvais. Bonne chance et merci. En vrai, je crois que je vais faire ça. Ouais, mais je sais pas, j'hésite à mettre la bûche juste derrière. En vrai, écoute, vas-y. Déjà, on va voir sur une armée de squelettes. Qu'est-ce qu'il fait? En fait, il joue même pas. Je veux même pas rigoler. Ouais, non, c'est nul, il joue pas. Il pourrait jouer au moins quand même. Bon. Ensuite. Donc alors, on mélange. On aura. Oh non, non, bah non, non, bah non. On avait de nouveau le bombardier, mais non, c'est bon. J'ai déjà eu deux fois, j'ai pas trop. Bref, sorcière de la nuit, collier royal, chevaucheur de cochon et électrocuteur. Ensuite, nous aurons aussi électrocution, canon à charrette, recrue royale. Et la cage gobeline. Vas-y, la charrette à canon. Ah, c'est bon. Voilà. L'électrocution. Là. Sorcière de la nuit, électrocuteur, tac,
Chevaucheur de cochon aussi. Là, cache goblin. Nickel, hein. J'en ai mis dans les trois. Collier royal. Cache goblin. Tac, tac. Il me manque deux, je crois. Non, j'arrête à Camille, je crois que j'ai déjà mis. Bref, recrue royale. Et on va voir. Non, c'est bon. Donc, c'est parti. Combat. Voilà. Donc, alors. Je crois. On va mettre des autres, putain. Ah. Non, mais attends. Vas-y, on va mettre le chevaucheur de cochon. Écoute. C'est parti. Voilà. Tac. C'est bon, c'est bon. Ah oui. Voilà, juste là devant, on va mettre les recrues royales, allez, let's go. Let's go. On va mettre les électrocuteurs juste derrière. On met la charrette à canon. Ouais, bah c'est bon, c'est bon. Bon, voilà, c'est perdu. Je peux pas dire aussi que le deck était super bien. Franchement. Là, on va faire une dernière partie. Alors, pour la dernière partie, nous aurons la boule de feu, la mousquetaire, le poison et le mineur. Ensuite, nous aurons aussi la guérisse aux armées, l'électro-dragon, le bûcheron et le moleuse de lave. Donc alors, alors, pas trop de la taille. J'ai tri par l'élixir. Voilà. Trois élixirs. Le mineur. À 4. Ah, il y en a beaucoup à 4.
Nous posons. Avec le bûcheron. Ensuite, je crois que j'ai tous pris. L'électro-dragon et molosse de lave. Ouais, c'est bon. Allez, on est parti pour la dernière partie. J'espère au moins gagner pour la dernière partie quand même. Bonne chance. D'accord. Hop. Voilà. Allez. Ah, et j'ai toujours ça. Ok. Bon. Bon, bref. J'ai fait même pour la dernière game. De toute façon, même si je défendais, de toute façon, j'étais mort. Je voulais essayer de partir à l'attaque. Mais ça n'a pas marché non plus. Donc voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo.